Il y a une petite métaphore que j'aime bien pour imager le goni, c'est... Imagine que tu es sur un bateau, sur une barque, tu es en train de jouer du goni, il y a un paysage autour de toi. Tu te rends compte au bout d'un moment qu'en jouant du goni, tu vas influencer ton paysage. Tu commences à dire, je crée mon paysage en jouant de la musique. Il y a un moment où tu vas juste profiter du paysage que tu crées en oubliant que tu le crées. Tu es juste bercé par ta musique, par ton paysage, mais tu n'es même plus conscient que c'est toi qui le joues, mais juste tu es passé ailleurs, tu es passé dans un état méditatif, une transe légère. Je suis à l'écoute, je suis présent, mais il y a un endroit de moi qui bascule dans un autre monde. Le ngoni, c'est un instrument de musique traditionnel du Mali. Son vrai nom, c'est le Kamal ngoni. Il y a trois ngoni au Mali, en fait. Celui-ci, c'est le plus récent. C'est un instrument qui est issu de la guitare des chasseurs, qui s'appelle le dosangoni, et qui a été inventé à 40-50 ans par quelqu'un qui s'appelle Yoro Diallo, a priori, selon la légende africaine, qui est encore vivant. Des fois, c'est un peu difficile de savoir. Il y a chacun qui arrive avec sa version. Mais bon, la version que j'ai le plus entendue, c'est ça. C'est que c'est Yoro Diallo qui a créé le Kamal ngoni. Il s'est inspiré de cet instrument traditionnel et il l'a juste un peu rapetissé et puis il s'en sert pour faire de la musique ludique, en fait. Il a sorti de son contexte sacré, parce que la guitare des chasseurs, c'est utilisé pour les rites animistes. C'est une guitare plus fun. On est sorti du côté sacré, réservé aux chasseurs, aux rites, pour un instrument ludique de société, parce qu'ils en servent beaucoup pour les fêtes, les mariages, les baptêmes, un instrument de la vie comme ça. Et le gros intérêt du Kamal ngoni, c'est qu'il n'y a pas de fausses notes. C'est une gamme à 5 notes qu'on appelle les gammes pentatoniques. Il y a un côté très intuitif, direct. Quand on met un ngoni sur les genoux de quelqu'un, qu'il soit musicien ou non, en général, s'il est un petit peu connecté à sa créativité, il s'éclate. Moi, mon aventure avec le goni, ça a commencé en 2000. J'étais au Mali, je passais à peu près 6 mois là-bas pour approfondir ma pratique de la percussion. Et le dernier voyage, j'ai rencontré des joueurs de Kamal ngoni. J'ai trippé, en fait. J'étais un peu dans mon truc djembé, mais j'ai quand même une petite graine là qui s'est plantée en moi et qui m'a fait découvrir cet instrument. Moi, ce qui m'a branché avec cet instrument, c'est son côté très intuitif. Dans la vie, j'ai jamais été un gros technicien. Par contre, je suis quelqu'un qui a pas mal de feeling, de l'intuition. Et quand j'ai eu un ngoni sur les genoux, je me suis éclaté, en fait. Je me suis dit, avec cet instrument, il y a quelque chose à faire, vu comment la musique s'est enseignée en France. Tous ces gens qui ont voulu apprendre la musique, qu'on a fracassé, ah, tu chantes faux, ah, tu sais pas jouer. À l'intérieur d'eux, c'est des barrages à se faire confiance, faire de la musique, lâcher la grappe. Du coup, le goni, j'étais là, ouais, mais c'est magique, en fait. C'est très agréable à jouer, c'est ergonomique. Il y a à la fois la calebasse avec l'énergie féminine, il y a à la fois le manche plutôt masculin. Pour moi, il est très harmonisant, cet instrument. Je sais pas d'où il vient, pour moi, il vient de l'espace, quoi. C'est vraiment un truc, c'est une planète à part entière. J'ai appris à fabriquer les gonis en apprenant à les jouer. Il y a un peu deux familles de gonis. Il y a la famille malienne, qui est la famille d'origine du Wassolo. Et il y a une famille qui s'est créée, qui est la famille du Burkina, où on va jouer le goni plutôt comme une kora à 4 doigts. Alors que dans le Wassolo, ça se joue à 3 doigts et en croisant, en fait, on va chercher les cordes d'en face. Du coup, quand j'ai commencé à fabriquer, moi, je l'ai joué à 4 doigts comme une kora, parce qu'effectivement, à l'époque, je connaissais plus des gens qui jouaient burkinabé. Très très vite après, j'ai rencontré Abou Diarra, qui est un grand joueur de goni. Et avec Abou, j'ai pu approfondir ma pratique et comprendre en fait c'est quoi qu'on attend dans un goni. C'est là où l'interaction s'est faite. C'est-à-dire qu'en apprenant à le jouer, j'ai appris à le fabriquer pour faire que mes instruments sont vraiment jouables dans la tradition malienne.
J'ai commencé à fabriquer mon premier goni, je crois, en 2002. C'est une lutherie quand même qui reste assez simple. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas la lutherie, son premier instrument ne va pas être aussi bon que son 300e, mais en tout cas, il va pouvoir faire quelque chose dès le premier, quoi. Il va pouvoir se faire plaisir. J'ai pas fait d'études de luthier en fait, hein. Donc je me suis lancé là-dedans, sans connaître, puis j'ai tout cassé. Puis en cassant tout, j'ai compris au fur et à mesure. Quand tu commences à fabriquer, tu fais un peu avec ce que tu as sous la main, ce que tu peux trouver. Donc, les mécaniques, je prenais des mécaniques de guitare classique que je sciais. C'était des 3-3 que tu scies. Après, j'ai commencé à récupérer des chutes de parquet dans les poubelles au début. Je faisais mes chevalets avec ça. Les calebasses, à l'époque, c'était vraiment difficile. Donc, t'es content quand t'as trouvé une calebasse, quoi. Il y a un dicton qui est lié à l'Afrique, c'est doni doni. C'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Un peu, un peu.
Et puis, plus ça va, plus tu te dis, ah oui, tiens, là, ce serait peut-être intéressant de choisir un peu plus ce matériel-là. Et puis, j'ai affiné, j'ai cherché à mettre de la qualité sur tous les matériaux. Travailler avec les bambous du coin, le bois, voilà, essayer de bosser avec des essences locales aussi au maximum. La calebasse, c'est pas local, ça pousse pas ici. Hein. J'ai essayé, je l'ai donné à tous mes copains maraîchers, j'ai jamais eu de calebasse. Et effectivement, je me suis créé une sorte de méthodologie. Mais pour chaque instrument, quand même, je me repose les questions. Je ne sais pas comment expliquer. C'est pas arrêté. Il y a quand même une partie qui est ouverte à changement. J'ai besoin de créativité dans ce que je fais. C'est ça qui peut m'ennuyer aussi dans le côté artisanal, des fois, c'est de perdre le côté créatif. C'est quand même vachement plaisant et c'est excitant de fabriquer un instrument, de le jouer. Et voilà, je propose ça, je propose des stages où les gens viennent fabriquer leurs instruments. Bah, je trouve que c'est génial, les gens ils viennent, ils repartent avec leur instrument qu'ils ont fabriqué. L'idée, pour moi, c'est de créer du lien entre les gens et leur instrument. C'est-à-dire de faire en sorte que l'instrument, il ne soit pas caché dans un coin, qu'ils puissent profiter de cet instrument. Assez vite, ils trouvent leur façon de jouer. Mais moi, ce que j'aime dans la tradition africaine, c'est tous les touchés, tous les sons, toute cette ouverture qui est là, toute la notion de rythme. Donc voilà, j'encourage les gens à aller chercher ça, à travailler les sons, développer leur technique pour s'approprier leur musique. Puis après, s'il faut, je vais les accompagner un peu à se connecter à leur créativité. Parce qu'il y a souvent deux problèmes. T'as un problème technique, pur, et puis après, des fois, il y a un problème émotionnel derrière. C'est voilà, comment on est en lien ou pas avec notre créativité. Donc j'agis un peu sur les différents tableaux, le cas, s'il y a besoin. Il y a plusieurs choses qui se jouent. C'est-à-dire qu'il y a un endroit de moi, je pense que c'est agréable, tu es dans ta bulle, la calebasse à sculpter, c'est vachement agréable, c'est vachement méditatif. Maintenant, je me protège un peu à cause de la poussière, parce que voilà, quand tu es beaucoup dans la poussière, il faut se protéger, mais sur un goni, finalement, les temps de machine, c'est assez restreint. J'ai beaucoup plus travaillé à la main. Donc, c'est assez agréable à fabriquer, l'instrument. Mais il y a à l'intérieur de moi une petite voix qui me dit que je suis pas à ma place. Et c'est ça qui m'emmène sur la thérapie, c'est que voilà, il manque des gens en face de moi à aller accompagner, entre guillemets, quoi, à faire bouger, etc. Je sens qu'il est temps que je sors de ma bulle. Je ne comprenais pas pourquoi, mais régulièrement j'avais ces crises-là dans mon atelier où pourtant je fais un truc que j'ai voulu faire, qui me plaît, tout ça, et pourtant je suis là, putain, ça va pas, qu'est-ce que c'est quoi qui va pas? Et c'est ça, en fait, c'est cette petite voix à l'intérieur qui dit que je suis aussi là pour faire autre chose, accompagner les gens. Je pense que c'est plus ma place qu'à l'atelier, finalement. En fait, le virage, il a toujours été là, mais sauf que ça a été un chemin pour moi d'oser me dire, allez, ça y est, je m'installe. Et j'ai fait une formation de musicothérapie en 2002, donc c'est pas tout neuf. J'ai fait mes premiers sauts, j'avais 16 ans. Et puis j'ai eu envie d'aller vers des techniques un petit peu plus psy. Je me suis formé à la constellation familiale, qui est un super outil de thérapie systémique. Et puis comme je me dirige vraiment vers la thérapie, je me suis formé à l'hypnose et puis je suis en formation d'astrologie aussi depuis 2 ans. Donc oui, je me dirige vraiment vers la thérapie, tout en gardant un pied vers la lutherie. Je vais pas tout arrêter quand même. La route que j'arpente, c'est ça, c'est d'aller essayer de comprendre par l'intériorité. Des fois, effectivement, accompagné par des gens qui ont fait des bouts de chemin, et d'en tirer une puissance, une force, et du coup d'être capable de la mettre au service du monde. Je pense qu'on a tous notre petite carte à jouer sur Terre, et moi, il semblerait que c'est dans la thérapie que je l'ai, quoi. J'ai ce potentiel-là d'accompagner les gens, et quand je suis à fabriquer des gonies dans mon atelier, cette petite carte-là, elle se joue pas. Parce que c'est ça aussi le renversement que je vis là aujourd'hui. C'est sympa, tu t'es extrait du monde, tu t'es construit, tu t'es protégé un peu. Tu crées ma bulle de douceur, le goni c'est super doux, c'est sympa, les gens sont gentils. Mais maintenant c'est ok, j'ai une structure qui fait que je peux aller voir autre chose, quoi.
J'ai été visiter une partie de mes enfers et déjà sur ces enfers-là que j'ai été visiter, je peux accompagner les gens, c'est sûr. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils voient un mal-être, ils ont une difficulté, ils sont en crise. Ça peut être dans leur couple, dans leur travail, dans leur corps. Ça peut être par des gens, des imprévus, des accidents, des choses qui vont en tout cas te chambouler. Je les accompagne à tirer quelque chose de cet état de crise qui vient les chercher. Pour moi, l'intéressant de ces crises-là, c'est que c'est des moteurs de transformation. Donc, c'est d'accompagner au mieux les gens dans leur intégration de tout ça, quoi. Mais l'extérieur, pour moi, il est là pour ça. Il est là pour t'enseigner et te montrer, en fait, quelque chose que tu as à l'intérieur. On est venu sur Terre, on est matière. On est venu là pour se confronter à la matière. Même si on peut toucher des états, vibrations très fortes, des connexions, des prises de conscience, des bouleversements intérieurs, c'est dans la matière que ça a du sens. C'est la matière, l'enseignement, quelque part. Nos souffrances, ça peut être nos excellences. C'est-à-dire que si tu arrives à alchimiser la souffrance que tu as vécue, tu peux emmener les autres à l'alchimiser aussi. Et c'est puissant. C'est comme ça que l'univers va changer.